était inconnu. Mon pasteur aujourd'hui est bien connu. À cette époque de tous les types exposés ici aux yeux de tous. Car depuis le péché d'Eden, Elohim n'était plus bien adoré. Il était inconnu car tout était vraiment confondu. Mais le septième essor nous réservait un très grand secret où de connaître qui est Dieu, connaître comment il vit sur la terre. Il est là voilé dans un homme de chair. Il embrasse aussi sa femme dans un cowboy de Kentucky. Il prend son repas de midi. L'inconnu de tous les temps est maintenant connu. L'inconnu de tous les temps est maintenant connu. Mais l'incrédulité n'arrêtera pas l'éternel. Mais l'incrédulité n'arrêtera pas l'éternel. Là dans l'Ancien Testament, une main avait très bien écrite. Dans une langue inconnue, c'était la main de l'ange du Seigneur. Lui que Josué avait vu avec une épée flamboyante. Il avait donné à Père Abraham une partie de son nom. La partie H-A-M, ce qui veut dire Père de nation. Ayant cet histoire, cette main a touché un homme d'échec pour laisser une empreinte identique à celle de mon Brana. Là-haut, Sabino Canyon, il a eu une épée dans sa main. La voix sortit haut, dedans de lui, en disant, c'est ça le paix du roi. Sur la chaîne des montagnes Alima, nous avons vu un nom qui est gravé. Un nom à cette lettre. Avec cette partie H-A-M, la partie du nom des dieux, il avait donné à Abraham. Je regardais dans les noms des hommes, dans l'Ancien, nous comme dans les Nouveaux Testaments. Dans les noms de Moïse, je n'ai pas vu H-A-M. Élie tout comme Élisée. Je n'ai pas vu H-A-M. Même dans les noms des saluts, je n'ai pas vu H-A-M. Même celui de Jésus mon sauveur, je n'ai pas vu H-A-M. Mais au coucher du soleil, j'ai reçu un septième ange. Oh. Avec un grand nom, cette lettre, la partie H-A-M. L'inconnu est connu, la lumière a jailli. Dieu nous a visités, oh. La rédemption est totale. Voici l'inconnu. L'inconnu de tous les temps est maintenant connu. L'inconnu de tous les temps est maintenant connu. Mais l'incrédulité n'arrêtera pas l'éternel. Mais l'incrédulité n'arrêtera pas l'éternel. Quand moi j'ai vu les écureuils être créés par un bout d'homme des chers, qui pouvait tourner son dos et discerner les pensées des humains. Et la plus grande nuée, être avalée par un poudon de chair. Même la vie qui est éternelle, par un poudon de chair. Je n'avais plus de questions dans mon âme, car la lumière a jailli.
pas comme les autres. Et du ciel nous a visités. Venez voir un beau dame cowboy qui est l'image du grand Dieu invisible. Mon diamant a cette couleur, le rond-point de la Bible. Je l'appelle l'immortel Élie, mon Élie, le grand rond-point de la Bible. Dieu lui-même lui a donné les pouvoirs de l'infaillibilité. Tu dis qu'à oigner l'homme de l'épée du roi, c'est lui l'atterrissage forcé. Pour l'homme ou pas, William Branham a dit, pour les prêcher et nuit et jour, que dit qu'à l'homme au plus grand défi, l'incontournable Bill Branham. Wasawasamia, c'est un du soir, l'homme aux empreintes d'Elohim. Jaï. L'inconnu est connu. La parole est dans la chair. L'inconnu est connu. Dieu nous a visité. L'inconnu est connu. Sous la forme d'un prophète. L'inconnu est connu. L'inconnu est connu. L'inconnu est connu. Je me demande de l'inconnu est connu. Qui empêche les enfants de Dieu à voir le vrai Seigneur Jésus-Christ dans sa forme d'aujourd'hui. L'inconnu est connu. J'ai dit la forme d'aujourd'hui. L'inconnu est connu. Aujourd'hui est bien connu. Un petit type de tous les types exposé ici aux yeux de tous.